et bienvenue dans Juju TV. Aujourd'hui, le bouffon du président a commencé. Nous sommes à la troisième représentation, je suis à Ozoir-la-Ferrière. Pendant que le décor est en construction, petite avance rapide, je m'installe pour regarder le spectacle et on se retrouve après dans les loges avec les comédiens. A tout de suite. Je retrouve Cécile dans les coulisses. T'es quoi, t'es dans ta loge ? Je suis pas du tout dans ta loge, je suis là dans ton. Ah, t'es. Non, t'es pas là, t'es là. Je suis dans le cadre. T'es là. Tu vois, je suis dans le cadre. Bon, ça s'est bien passé. J'ai vu avec Olivier, c'est la troisième représentation, c'est ça ? Ouais. Ça a été ? Bah, de mieux en mieux. De mieux en mieux ? De mieux en mieux. Bah, moi, c'est la première fois que je la vois. Ouais, tu as ri ? Oui, au moins 4-5 fois. 4-5 fois. En ce qui me concerne ou sur la totalité de la pièce ? Par minute. Ah, 4-5 fois par minute. Ça te va ? Bon, c'est encore un peu léger, mais. Ouais. Mais voilà. Ouais, mais tu sais, moi je suis un diesel, donc il faut que ça chauffe. Il y a un moment donné, déjà quand j'aurai éjecté les autres, ça finira en one man show. Mais ça va faire la bouffonne du président, du coup. C'est ça. Moi je suis pensée, je suis une grosse bouffonne. Vas-y, dégage, j'arrête de parler comme ça. Pensée, je vais appeler mes portes du 9, toi. Ouais, non, mais tout s'est bien passé. 1h47 la pièce, je suis chronométré. Ah bon, 1h47 Ouais, ça va, c'est potable. Ouais, tu fais le calcul, 4 rires par minute. Vas-y, fais-moi le calcul. Par rapport à mon salaire, 1h47, ça fait combien de... Ah oui, c'est beaucoup quand même. Ouais, quand même. C'était vrai. Est-ce que tu peux me pitcher l'histoire en 10 secondes, en gros ? Oui, je peux éventuellement te le faire. C'est pas facile, hein, parce qu'en quelques secondes, l'histoire d'un président de la République qui décide de se venger d'un humoriste qui, pendant 5 ans, s'est moqué de lui. Donc voilà, il décide de le prendre 90 minutes avec lui, face à lui. D'accord. Et pendant 90 minutes essayer de lui faire subir ce que l'autre a vécu pendant 5 ans. Voilà, tout simplement. Voilà. Je suis la gentille ou un peu la méchante, un peu... T'es un mix des deux. Ça commence à un moment donné et hop, il y a retournement de situation. Du reveal, comme on dit. Ouais, et comme on avait dit avec Olivier quand on a tourné les coulisses au Phuket, ouais. La mouche du coche, tu te rappelles de cette expression ? Tu vas arrêter tout de suite. T'aimes tu vas du quitter tout ce petit ton. D'accord. Tout de suite. Ok. Bon, écoute. Non, j'appelle ma famille. J'ai vu ton sosie tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. On dira rien. Bon, écoute, dis, on met un double coup de boule à la caméra. Tu te rappelles ? Tu connais ce principe ? On avait niqué ta coiffure. Complètement idiot. Et on passe à la séquence suivante. Allez. Allez, 3, 2, 1. Bing. Petite balade derrière le décor avant de me faufiler dans les loges pour retrouver Michel Guidoni, alias Monsieur le Président, et Franck de la Personne, top jingle. Bonjour messieurs. Comment ça va ? Bonjour. Comment ça va ? Ça va ? C'est bien passé ? Bah, j'ai l'impression. Comment était la salle ? La salle était blindée de mon côté. Bon, bah tant mieux. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'air contents ? Vous les avez filmés ? Ouais, il y a du monde qui vous attend même dehors. Ah bon ? Ah bon ? Bah alors, enfin, c'est juste derrière la porte. Mais pas pour nous agresser, pas non. Pour nous tuer. Non, ça va être gentil. Ouais, mon Michel, comment ça va ? Eh ben ça va bien. Monsieur le Président. Grâce à Nicolas, on revient quoi, au premier plan. Ça me donne du boulot, alors je suis content. Merci Monsieur le Président. Et puis voilà, entre cette pièce-là, les deux ânes et puis le One Man Show, tout va bien. Il n'arrête jamais. Je travaille avec des camarades super. Ouais. Franck, Cécile, Fabienne et puis Fred, ils sont tous formidables. Quoi. Donc je suis très heureux d'être avec toute cette troupe. Alors là, j'ai vu combien de thèmes de représentation ? Alors là, je crois qu'il y a une petite tournée avec une 50 ou 60 dates, et puis ensuite, nous aurons une salle à Paris. Ok, voilà. Bah, tout va bien alors. Ah bah écoute, on va pas se plaindre. Hein. Ouais. On va pas se plaindre, tout va bien, tout va bien. Ok. Bon bah écoute, je vous laisse vous préparer. Voilà. Ouais. Je vous laisse vous dépréparer. Et je suis très content d'être avec mon camarade Franck de la Personne. Voilà. Alors qui s'amuse bien. Qui est au comique, ce kiff Saint-Martin fut au cheval. Et c'est un compliment. Ouais. Bon, ça va, vous avez fait la paix depuis la pièce alors. Ah, alors, oui, c'est super. C'est l'avantage, c'est plus facile de s'engueuler sur scène et de bien s'entendre dans la. Oui. Hein, c'est chouette. Bon, allez, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire la fin de l'émission. Petit selfie. On fait la fin de l'émission ensemble. Coucou. On fait un selfie. Ouais, on peut faire un selfie. Ouais. Bonjour. Mais on fout un triple coup de boule à la caméra et ça lance le générique. Alors, ok. 3, 2, 1. Bon.